On est passé, vous avez comme... Il y a comme 6 mois pour m'arriver. Qu'est-ce qui s'est passé? C'était quoi qui a commencé? Il y a eu, je pense que c'est quand on a fait on voulait jouer contre le jeu des playoffs, puis on a eu la chance de le faire. Il y a eu une couple d'affaires, des erreurs qu'on ne fait pas d'habitude, special teams qui ont pas vraiment été là, des ballons échappés, des blocs manqués. On a fait plus d'erreurs que les autres qui ont fait d'autres. Ils ont joué une bonne game. On aimerait ça se reprendre. Les coachs parce que non, c'est ça. C'était bien. Tout était en place pour eux. Je fais des erreurs qu'on fait. Parce que vous aviez fait 1-1 dans l'année quand même. Oui. Fait que dans le fond, c'était comme une game. Ouais, c'est une game. Puis, rendu à la troisième game de la saison, vous connaissez pas mal. Ouais, on savait ce qu'il allait faire, on savait ce qu'on allait faire. Non, là, cette année, par rapport à l'approche de la nouvelle saison. Nous, on a une motivation encore plus grande. C'est notre dernière année, on est pour une équipe assez vieille. La plupart des gars sont notre dernière année. On va pas avoir la chance de gagner le pot d'or, on va pas être la génération de gagner juste pour gagner le pot d'or. Puis, on a une extra motivation justement à jouer contre le on fait notre première game et on va se reprendre pour l'année passée. OK. Puis, j'en regardais un peu votre défense semble. Je connais pas rien ça, mais ce que j'ai vu, c'est le premier scrimmage, c'est plus les vétérans qui avaient parti. Les gars, notre défensive, ça va être notre force cette année. On va faire des points en offensive, mais je pense qu'on va faire plus difficile avec la défense. On a des gros playmakers, des joueurs qui travaillent fort. Je pense que tu n'as pas oublié que vous n'avez pas perdu grand monde. Non, c'est ça. On a perdu peut-être 2 defensive backs. Mais même là, on a eu beaucoup de blessures l'année passée. Fait qu'il y a des joueurs qui ont step up. C'est des joueurs que cette année, ils vont être partants. Puis ils ont eu de l'expérience dans le fond l'année passée. Les blessures, ils ont eu la chance de venir. Toi, le fait que tu n'aies plus Harrington puis Bailey comme receveur, est-ce que... Ah, ben, on avait des bons receveurs juste l'année passée. Nos 5 receveurs partants étaient dans le top 10 de la Ligue. Fait que, on avait c'est ça. Puis il y a eu des blessures. Jury n'a pas joué toute la saison. Harrington a manqué des parties aussi. Fait qu'il y a d'autres joueurs qui ont eu la chance de jouer. Moi, j'ai regardé pas mal ton YouTube. Là. Ouais. Mais Vincent Cléo, sa première année, il a eu beaucoup d'années à Vanier. Il a starté sa première année à Vanier. L'année passée, il a vraiment bien fait. Puis cette année, ça va être justement un nouveau receveur principal. Mais on a beaucoup de top position de receveur. Je pense que ça va être ça. Pas tout le temps aller à écoute ou mal. Non, c'est ça. On aime ça être sur le terrain, puis on veut pas que la défense est dans le fond, il y a acquis dans un de nos joueurs en particulier. On veut les laisser passer tout le temps. C'est n'importe qui peut le ballon sur n'importe quel point. Je pense que tu vas être l'objet de plusieurs, pas convoitises universitaires, parce que c'est des jeux évidents, mais même de la part des médias, puis de. Parce que tu es probablement le meilleur. C'est sûr, meilleur statistiquement, tout cas, qui oublie sortir de collégial depuis longtemps. Je veux pas laisser ça m'affecter non plus. J'ai une saison à faire, puis ce qui arrive autour, à l'entour du terrain, ben, je vais le prendre au jour le jour, mais je vais focusser sur ce que j'ai à faire avec les gars de l'équipe. Puis, dans l'équipe, oui, j'ai des belles statistiques, mais je suis pas plus important qu'un joueur dans l'équipe. Run for your life, hein, c'est pour... C'est sûr, je prends beaucoup de crédit là-dedans, mais il y a un peu de crédit. Je vais faire la même question aussi. C'est sûr que j'aimerais ça continuer à l'université, ça va bien. Mais toi, est-ce que tu finis toi, tes études en décembre? Il me reste une dernière saison, je finis en décembre, je vais rentrer en décembre en janvier. Tu t'en refais les deux ou ça va bien aller? Ça va bien aller, je pense. J'ai pas eu de misère pour l'instant, puis tu sais, je travaille fort. À saison, tu te bats, tu vas mettre 10 ans. Merci beaucoup, vous êtes encore. Bye bye.